spécial. On va tourner sous dernier arrêté qui sorti dans le journal officiel pays à Le Moniteur. Date 1er mars, arrêté qui portait obligation pour toute transaction commerciale faite dans la monnaie nationale là qui c'est Goud. Et là, on va comprendre, n'est-ce pas, qu'il y a un impact que je suis capable de gagner, garder tout débat ça suscité dans la société là. Et qui ça, et qui t'a bien fait pour arrêter ça, lui appliquer en bonne et due forme. Et c'est tout ça que nous allons regarder à ce soir, dans le cadre d'émission ça avec économiste Edia Rémil, qui est déjà avec ton studio. Mais pour nous arriver à faire débat, nous allons avec nous, Lionel Edouard. Bon, salut Lionel d'abord, bon, salut professeur Rémil. Lionel, comment vous? Nous saluons Serge Gignon, nous saluons tout le monde qui a regardé l'émission à un moment ça. Nous saluons économiste Edia Rémil, une voix autorisée, une voix connue et reconnue dans l'espace économique haïtien, qui va aider nous à piquer en la décision ça et qui gère la décision ça lui-même, est capable de porter fruit pour la population hein, et permettre tout que le pays à lui-même, à travers la décision qu'il prend, et mettre une bonne relance économique et si et justement la décision est capable de permettre que nous vivions dans la dimension ça. C'est ça. Monsieur Edia Rémil, comment ça va? Bonsoir. Bon, et ma salle de Junio, ma salle de Zamin, Edouard, un plaisir de rencontrer vous. Tous les téléspectateurs, téléspectatrices de TNH, son plaisir de recevoir l'invitation et d'espérer qu'on passe un bon moment ensemble et à Soya pour que nous parlions, échanger et en fait, par opinion, nous positionnons par rapport à mesure ça qui prend dans le cadre de question Goud avec Dola. Goud avec Dola, mais je suis un débat et sous Vision 2000 et professeur Boubeuf et professeur Boisson sur dollarisation ou pas. Ça veut dire que ce n'est pas moi qui ai dit la question de dollarisation absolument, ou pas. Absolument. La question de dollarisation, c'est un phénomène, d'ailleurs, pas seulement Haïti, c'est un phénomène qui traverse notamment l'Amérique latine pendant quelques années, notamment pendant une période qui a eu une pile crise d'inflation en Amérique latine. Et que ce soit dans la première vague dans les années 90 ou l'autre vague dans les années 2000, il y a eu une pile de courant qui a poussé plusieurs pays tenter à un certain moment d'essayer de dollarisation. Soit total ou partiel dans l'économie, pour garder qui ça le bail. Parce que monnaie par tellement a perdu valeur. Équateur était essayé, le Panama, Argentine, plusieurs pays d'Amérique du Sud et centrale. Donc, son bagage qui quand même, il y a quelques années que l'a parlé et que monde qui essaie de faire. Et forme juste dit précis. Bizarrement, les employés concept dollarisation, ils ne peuvent pas dire que c'est dollar seulement qu'ils utilisent comme monnaie en plus de l'argent. Pas ou capable de dire. Même l'autre a utilisé euro, il y a toujours eu la dollarisation. Donc l'antigène, c'est un concept qui est générique, qui est utilisé pour n'importe quoi un pays choisi d'utiliser une monnaie étrangère de l'économie pâle, soit de manière totale ou de manière partielle. Mais encore une fois, dans le cas haïtien, j'en ai dit là, le débat ça a été là déjà, et il est suscité, en pile, il y a des gens qui pour, des gens qui contre, avec des arguments contraires, des fois assez soutenus, des fois pas soutenus. Et moi, je crois que il y a nécessité justement pour que réflexion faite sur lui. L'année dernière, j'étais quand même relancé question avec carte de crédit que BRH a exigé qu'il doit facturer en goût au niveau des banques. Donc, fois ça, là, qu'on y a, nous allons petit casse plus loin dans ça que moi-même, je relais le processus de dédollarisation de l'économie haïtienne. Alors, justement, Edia Rémil, à travers la décision, ça, carrément, le gouvernement prend contre-pied de courant économique ça et de économistes qui défendent la dollarisation de l'économie. Et qui enjeu qui gagne à travers une telle mesure? Bon, en fait, selon qui dans le secteur que mon a dans l'économie, hein, il est capable de plus confortable avec le dollar ou encore capable de plus confortable avec la goutte. Donc ça veut dire que le débat n'est pas nécessairement une question nationale, de en tout cas qui sa souveraineté. C'est surtout en général par rapport à position, secteur, activité que mon a fait, qui ça qui pique bon pour lui. On monde par exemple qui a acheté un dollar américain à l'étranger qui sont importateurs. Maintenant, comme il supposait que le goût de la tellement varié, il a toujours préféré qu'on a tout payé en dollar, il va l'acheter, il n'a pas besoin de faire effort. Donc non seulement on doit faire effort de conversion en monnaie étrangère, parce que chaque fois où fait une opération de change, vous perdez de l'argent. Il est clair. Donc l'opération de change a un coût. Donc lors du monde va le goud pour l'acheter en dollar, déjà le coût de l'opération, il gagne même il vous attend pas gagner. Mais deuxièmement, lors le goud là, si que le prend goud là dans mon parce que dollar était tel niveau, si entre temps vient varier, la font perte qu'on a là dans l'opération. Donc la bonne tendance pour déjà anticiper
si on ajustement qui possiblement capable d'arriver là-dedans. Donc toujours gagner, on est capable de dire une volonté pour que moun sa capable d'utiliser dollar pour l'acheter. T'as rien que lui-même il déjà recevoir l'argent en même monnaie pour éviter que non seulement la rentrer dans le marché d'échange à faire opération, mais aussi pour ne pas prendre un piège que lui prend moins scope par rapport à changement capable de gagner, notamment pour une monnaie pour la goutte qui fluctue énormément, qui même perdu presque, m'ta capable dit, et presque moitié valeur, 50% sur les 30, sur les 3-4 dernières années de qui passaient. Mais au fait, il y a plusieurs tentatives. Il fait déjà, sur j'ai plusieurs notre ministère de commerce fait sortir, qui m'a dit pour que transaction fait en goutte, qui m'a dit pour magasin affiché pour en goutte, mais ça n'a pas toujours marché. Dernier notre là daté de mai 2017. Absolument. Voilà. Est-ce que, ou est-ce que je dis, contexte là, il prêtait par rapport à la décision ça qui prend et dans le cas d'arrêter ça qui publie dans le journal officiel Le Moniteur? En fait, il y a deux bagailles. Premièrement, il y a une nuance par le fait que avant c'est le ministère du commerce qui était prendre, ça fait un. Deuxièmement, il était prendre des communiqués, des circulaires. Alors que l'on arrête le présidentiel, il y a un autre niveau d'envergure. Le poids légal même de la question, l'importance que le gain dans les yeux publics là. Et des acteurs, ils ont l'autre dimension. Ça, c'est un. Mais deuxièmement, je ne suis pas sûr à l'époque que tu gagnes tout dispositif ça que tu as établi en termes de brigade de surveillance, etc., de task force, de suivi, pour assurer que effectivement que mesure la respecter. Maintenant, quand ça, la personne ne connaît si tu la respecter, moi-même, je ne connais si la respecter. L'État qu'on a vu, tu prends des mesures que tu n'as pas respecter déjà. Maintenant, mais moi, plus capable de dire que avec dimension d'arrêté présidentiel légalement gain plus force, mais deuxièmement moi j'ai l'impression que gain une dynamique que vous voulez rentrer là-dedans qui t'a de permettre que vous meilleure surveillance tout ça, mais il n'est que d'attendre pour nous garder effectivement est-ce que dans la réalité est-ce que tout le monde a respecté lui ou qui ça qu'arriver les monde pas respecté, parce que l'ordre dit fait tel bagage mais si me pas clairement indiqué qui ça sanctionne et l'aime pas faire, me cap pas nécessairement trouver que me contraignant. Que le contraignant pour moi. Donc, la question, moi, je crois que faut que nous allions plus loin, au-delà de arrêter, pour que nous ayons beaucoup plus de précision sur, sur l'application de mesures-là, sur la non-application de la mesure. Et le ça, on a un acteur, a bien plus d'informations, la une meilleure compréhension vers l'adaptation. Et même là encore, libéralement, dans tant tout, matériellement, pour que on ajuste le menu, ajuste toute question description de prix. Donc, qui quand même pral pour un petit temps, mais il va dépendre de volonté que l'État a gagné de manière réelle pour que l'État fait respecter mesure ça. Sinon, on a pris des jeunes qu'on a habitué à prendre une quantité de mesures pour question à cette plastique. Nous ne jamais arriver contraindre réellement pour nous respecter ça. Très bien. Alors, il y a un élément qui est extrêmement important, je souligne là tout à l'heure, et Jérémy, c'est l'anticipation acteur économique, c'est tout le monde qui a fait commerce avec des pays internationaux quand il a pas acheté sur le marché international là, mais nous avons toujours une anticipation par rapport avec capable de fluctuation capable gain dans tout le changement. Mais par rapport avec tout ça, quelque part nous t'a que c'est à masse défavorisée à quelque part qui t'a plus victime de fluctuation de tout le changement, surtout que anticipation en fait justement pour compenser et nous capable dire perte qui est capable gagner par rapport avec achat fait dans le marché. En général, c'est ça. Ça dit que le perdant dans toute question ça, c'est le consommateur final. Mon cas fait business en lui-même. Écoutez, à n'importe quel moment, il gagne un ajustement qui est nécessaire pour le faire avec par rapport à prix qu'il a acheté ou encore par rapport à tout le champ, il a ajusté. La même chose pour un entrepreneur qui a mon cas travaille avec pour faire salaire. Ça dit que le réflexe justement de Mounsa qui est acteur, il n'est pas gagné pour le perdu là-dedans. Au contraire, il a même fait des marges qui dépassaient ça l'état de perdu dans tout le change là. Et quand même anticiper des hausses dans tout le change qui peut arriver des fois. Ça veut dire que nous avons anticipé, le mettons prix qui est élevé, parce qu'il pensait qu'il est capable de monter, il n'est pas monté dans le rythme qu'il était mis là. Par contre, tu comprends. Donc, de toute façon, il a même gagné beaucoup plus que ça, il est capable de perdre. Et il a intérêt à faire ça. Il dit que ça arrive que tout le change dans monté, il me fait perdre 2 gouttes, je vais mettre 4 gouttes sur lui. Donc, vous avez une impression qu'on a là, directement, c'est le consommateur final qui perd et qui perd. Et en ce sens, qui vient faire que ça t'a peut-être protégé là,
c'est avec un système qui a un meilleur niveau de stabilité au niveau des changes, qui évite moins d'anticipation négative, mais aussi on contrôle tout au niveau de gens qui ont fait prix. Par contre, dans quelle dimension que nous sommes capables de vivre dans le contrôle ça, mais quand même, moi, je crois qu'il y a des autres qui font un ajustement de prix. Comment imaginez-vous, par exemple, pendant plusieurs mois, un, taux de change te font baisser, deux, le prix des biens alimentaires sur le marché national te baissé, mais parallèlement, le prix des biens alimentaires en Haïti pas baissé. Mais on élément sur dit là tout qui est fondamental, je veux dire à tout le monde vendre l'argent, tout le monde acheter l'argent. Non, absolument, c'est le désordre. Le désordre et qui on pas qu'on en pile pays que ça arrive comme ça. Chaque monde ghetto pas. Non, mais c'est ça lié. Donc écoutez, on pas vrai dire pas rien, mais il y a très peu de pays côté que tout le monde capable de faire cambis. Tout le monde capable de bureau de change. Ou vin d'habiter donc na, qui est-ce qui a une licence de permis de faire bureau de change, qui est-ce qui pas gagner. Maintenant, quel est l'autre qu'on pratique? Donc, on vient non des autres et qui ça le créer? Lui créer une anticipation négative, lui créer une incertitude et en même temps, lui alimenter une inflation continue dans l'économie. Hein? Je dis à autour de 15%, autour de 13,1% inflation en glissement annuel. Et mais regardez au fond inflation, regardez où est que c'est pratiquement change expliqué en bonne partie l'inflation qu'on a là. Parce que au final le prix réel des biens n'est pas nécessairement augmenté. Un peu exemple à vos ingénieurs. On dit quoi, un restaurant ou bien un hôtel dans la capitale là. Vous regardez qui prix un cocktail d'avant en mars 2017. En mars 2018, vous avez l'impression qu'un dollar américain prix cocktail ça a été même genre. Par contre, soit absurde. Donc, alors que l'on mette même prix ça en good, nous avons l'impression qu'on 10-20% dans le prix qui a augmenté. D'ailleurs, ça réduit l'inflation à 13%. C'est-à-dire en moyenne, les prix dans l'économie ont augmenté de 13% en glissement annuel. De mars 2017, enfin, pas mars, c'est de janvier à parler, janvier 2017 à janvier 2018. Donc, ça veut dire que réellement, le prix n'a pas si augmenté que ça. C'est de préférence, de fait que nous avons deux monnaies dans l'économie. Hein, les vins créent quand même une sorte de illusion d'augmentation de prix, alors que l'homme prend un bonnet qui est stable, qui est dollar, là, il a l'impression que le prix a changé. Ni prix chambre, ni prix plat, ni prix cocktail, là, ni prix n'importe l'autre bagage qui est vendu en dollar. Par contre, vous comprenez. Vous savez que le problème de l'instabilité au niveau des changes, les critiques dans la question de l'inflation, et en même temps, les ronger le pouvoir d'achat. Parallèlement, les créons situation de certitude pour mon cap éventuellement d'avoir investi parce que inflation ronge croissance, inflation les dérange et le pouvoir d'achat, les fait que les mêmes dévaluer actif que mon gain dans l'économie qui estimé en monnaie locale, de bonne quantité bagaille que tout ça est lié, il capable même créer des crises sociales, mon capable soulever contre tout employé et petit monde qui dans sonapi probablement demander plus l'argent en termes de salaire minimum parce que bon inflation qui crée là en même temps avec ça. Donc bon type de bagaille en même temps. Alors, pour toujours même minier ça, est-ce que mesure ça tout pas pral bail on pousser inflationniste tout. Effectivement sous mesure ça, moi crois que à court terme, il y a possibilité pour une petite panique au niveau des prix et même du taux de change. Et parce que les gens regardent les réactions mon yo sur internet l'autre côté, l'impression mon yo gon inquiétude. Mon yo gon inquiétude, il commence à dire que si on fait ça, mon cap vendre va augmenter sous nous parce que le connaît que etc. Donc, ou l'impression gon préparation cap fait là. Donc, à n'importe quel moment, il a dérapé dans nous. Quoique, à long terme, je pense que avec une situation de monnaie unique versus double circulation de monnaie, on est capable de gagner un minimum de stabilité au niveau des changes et des prix. Mais à court terme, la panique est très probable. Et maintenant, mais il peut surtout créer à partir de anticipation, de perception et peut-être, ça me décarrelé, on sorte d'inflation. Qui m'arabab dit qui est assez artificiel, qui a construit une économie hein, et même taux de change qui a décollé tout, à partir de toute question psychologie négative, ça yo. Mais moi, je crois que là, littéralement, il y a beaucoup plus d'informations qui circulent, beaucoup plus de compréhension pour capable de gagner plus calme
parce que surchauffe dans l'esprit, pral bon surchauffe sur le marché des changes. Alors, et par rapport avec les démarches, il est clair que la pression sur nous là pral réduit par avec les décisions que le gouvernement prend, même pour lui. À moyen et à long terme, pas nécessairement à court terme qu'on est là, parce que nous cagons panique là, bizarrement. Justement. En même temps, il faut me dire que. Il est très difficile en tant qu'économiste pour essayer d'anticiper des réactions mon avenir. C'est qu'il y a deux éléments. Un, agent est très irrationnel. C'est-à-dire que c'est difficile pour dire comment il va le comporter par rapport à telle situation. Mais deuxièmement, nous connaissons le déficit d'éducation financière en Haïti. Et les gens ne pas comprendre trop parce qu'ils ont fait n'importe qui bagaille comme comportement. Tout le monde qui arrive, il y a un bout de 100 dollars. Ou bien, et des dépenses futures en dollars, ils courent faire le début aujourd'hui. Ou du moins, ils courent mettre l'argent à la banque de l'autre côté. Donc, une quantité de réactions et de comportements capables de venir, qui pas nécessairement rationnel, capables de venir, qui totalement inversé, ça ne peut pas prévoir en termes de retombées. Alors, je suis très prudent, très prudent. Et je préfère suivre parce que quand même son situation inédite. Côté que Haïti dans le processus a fait dédollarisation de un système qui finit pratiquement dollarisé dans mes noms. Pas pratiquement, mais majoritairement dollarisé. Et indicateur, vous pouvez ça avec un niveau bancaire. Près de 64% de dépôts total en banque en dollars américains. Et qui a augmenté au jour le jour, mettez sous transaction qui a fait sous des biens de grande valeur dans l'économie, comme machine, comme cas, etc. Donc, qui quand même est créé, je suis capable de dire, assez de confusion des fois, et parce que et en même temps, il est plus difficile pour que des mesures qui prennent au niveau des politiques, des autorités monétaires, pour que vous ayez effet, là que on a affaire avec une monnaie qu'on va émettre. Par contre, vous comprenez complexité question, pardon. Et donc, et ça fait un pile pays éviter ça. Et je vais rappeler en mai 2017, un an à peu près de ça. Et Marine Le Pen, en France, tellement nostalgique du franc français, il était essayé de venir à la révolution pour que réintroduise le franc français, même les États qui étaient euro, puis faire double circulation. Et le gouverneur de la Banque centrale française, catégorique, il dit que la double circulation est un danger pour la stabilité économique, et le camp est en face lui. Et on voit que, encore une fois, il y a des pays en Amérique là, qui étaient choisis, dollarisés totalement, ou du moins, qui ne peuvent pas totalement. Mais double circulation, il crée un bagage côté que Jean Wé et Loi Grisham dit là, il a essayé de chasser l'autre dans l'économie. Hein. Donc, on a une impression, monnaie qui pisse sur là, tout le monde a essayé de gagner, pression fait sur les affaires le pire, avec le plus cher. Donc, on vient créer un cycle sans fin, malgré toute injection, malgré toute mesure, et continue à dégringoler constamment sans que le bagage arrive. Est-ce que deux monnaies n'ont pas circulé dans l'économie? Mais nous faisons l'expérience là. Nous faisons. Maintenant, la question, c'est quel est le coût de la double circulation? Nous expérimentons pendant longtemps en Haïti. Ça fait plus de 20 ans que nous faisons ça là en Haïti. Et les vignes vont côté dans nous là, nous allons côté de la ville. Donc, moi, je crois que la double circulation nous fait expérience là. Mais les que créer des ordres, les que les vignes sont difficiles pour les autorités monétaires et économiques. Et agit sur la stabilité au niveau des changes des prix, devient beaucoup plus dangereux. Donc, moi, je crois que, sans faire un discours politique, sans camper nos secteurs face à un autre secteur, pour qu'ils ne soient pas capables d'arriver dans une dimension pour que nous mettions l'ordre dans la question, régulariser la question. Hein? Donc, ce sont des ordres qui ont été construits pendant longtemps. Il y a nécessité pour que nous, quand même, arrivions à ce moment, faire tourner, hein? Pour que justement, nous avons un minimum de contrôle. Mais il faut nuancer. Puis il n'y a personne qui prend un enthousiasme pour comprendre que la mesure prend là pour résoudre tout indicateur de performance pays. Alors justement, côté de c'est par rapport avec certains secteurs, d'ailleurs je parlais de l'ILA, le secteur de l'emploi et puis l'investissement. Yeah. Et en termes de conséquences directes sur la population, c'est vrai, nous parler d'un pile mot scientifique qui paraît là. Mais nous avons regardé l'émission aujourd'hui, nous avons regardé qui conséquences directes. Décision ça va le gagner sous condition de la vie, il y a même qui a fonctionné dans l'économie au jour le jour et qui fait face justement à l'inflation, ça que n'a pas l'air, mais qui genre décision gouvernement va l'impacter non seulement condition de la vie, mais va le permettre qu'à l'avenir, il y a même qui a espéré en l'avenir et permettre que l'investissement fait dans le pays pour créer plus d'emplois et permettre que il y ait plus de sources de revenus qui va faciliter que il y a même capable de répondre à besoin quotidien. Absolument. Ah, maintenant, si avec
Parce que théoriquement, le fait que ou dit mon pas obligé de gagner dollar pour faire des transactions, j'en ai longtemps, on tient voyer bah avec good kunya. Théoriquement, ça devrait faire baisser la pression sur la demande de dollars. C'est ça, clairement. Maintenant, ça veut dire pour autant de dollars acheter, de dollars vendre, parce que mon cap importé, mon qu'on a fait avec extérieur, qu'a fait gros transfert, il y a toujours besoin ni. Mais gon partie dans pression que nous t'as mettez sous dollar là qui pas plein encore. Donc cela voudrait dire que nous t'adouer nos un cas de figure à long terme ou à moyen terme pour que tu as gagné une dara dit yon petit baisse dans surchauffe qui qu'on habitué gagner dans question dollar. Mais donc si c'est le cas indirectement tu as dû faire tout une meilleure stabilité au niveau des prix. Maintenant, si c'est le cas, ça fait deuxième hypothèse que je viens de la connaître. L'État doit peut-être réduire la perte de pouvoir d'achat qui vient d'économie. Par contre, vous comprenez. Maintenant, si c'est le cas encore, en troisième hypothèse, mon gounia là, qui te qu'on a pas appauvri juste à partir de l'inflation et tout le change, n'a pas capable de gagner actifio à revenu qui était plus ou moins à même valeur que le te gagné. Par contre, vous comprenez. Mais ça, c'est un aspect. Mais aspect qui est plus sérieux, je n'ai pas de garantie que le bras pas sous lui. C'est l'emploi, c'est l'investissement, c'est la création de richesses, c'est le PIB. Ça, je n'ai pas de garantie. Parce que je n'ai pas gagné assez d'indicateurs même pour démontrer que ça a fait ça, a fait booster par exemple. Mais ce qui est certain, c'est que à long terme, non schéma de meilleure stabilité au niveau du marché d'échange, également stabilité des prix, éventuellement, ou bral gagner, j'en que moun yap ou j'ai revenu en goudio, que ce soit dans l'épargne la banque ou encore dans le revenu qui a gagné comme salaire, si vous avez stabilité au niveau des changes, pour qu'elle pas fluctuer aussi rapidement comme ça, donc ça moun a de gagné maintenant, il pas perdu valeur autant. Mais ça c'est un aspect, mais encore une fois, le grand défi, c'est comment maintenant arriver à la croissance économique soutenable. Comment arriver à la création d'emplois massifs que nous besoin hein? Et comment arriver à des investissements plus importants, et c'est ça qui va avoir un impact direct sur vie mounio pour que nous pas comprendre gon illusion qu'a créé là avec tout changement, mais qui quand même capable amorcer une vraie relance, une vraie révolution. Mais nous beaucoup là faut que nous prenions quatre gueulier pour ne pas bailler trop envergure ni pour ne pas gagner trop tant par rapport avec sur économie. Dans ce sens là, qui mesure additionnelle qui a dû prendre. Non mais écoute, ça c'est un aspect, ça c'est une question monétaire, question goutte dollar. Mais au-delà de ça qu'on y a là, faut que nous gagnions beaucoup plus en termes d'amélioration du cadre au niveau des investissements privés, mais aussi faut que l'État ait gagné plus moyens en main pour faire des investissements publics. Parce que c'est deux gros morceaux ça qui poussent emploi, qui poussent croissance. Investissement public d'un côté, investissement privé de l'autre. Maintenant public là, à qui moyen? Ou bon l'état aujourd'hui là qui pratiquement gagne l'argent pour le fonctionner parce qu'il pas gagne moyen pour l'investir plutôt qu'arriver pas son quoi pas gagné et jusqu'à présent pas gagne dollar qui bail dans don international jusqu'à présent financement interne pour rien cop qui entre là-dedans. Donc ou vinn pratiquement gagner un budget de fonctionnement dans mon ou pas qu'à faire gros bagarre avec lui et là fait gros bagarre il va déraper question déficit budgétaire. Donc ou vinn non dilemme si ça gagne si me dépenser le trop il va bon déséquilibre au niveau des finances publiques. En même temps, tout ne peut pas faire trop d'impact sur vie. Et en termes d'emploi et en termes d'investissement. Donc, c'est une situation compliquée qui peut demander peut-être développer de nouvelles stratégies en termes de mobilisation de ressources. Mais pour arriver à convaincre et des gens qui promettent en termes d'appui budgétaire ou encore en termes d'aide projet, ou éventuellement garder sous qui base, comment être capable de rentrer sur le marché des prêts, encore une fois, pour moi, c'est ça va être le seul salut pour nous au-delà. Deux questions, ça n'a fait aujourd'hui avec Tigou, cette qui n'a pas collecté. Si que nous voulons, nous venons une dimension d'investissement sérieux pour créer richesse, créer emploi et créer revenu pour la population. Le gouvernement a rencontré la presse, c'était vendredi, pour le ministre Jacques Guilafontaine, ministre économie et finance, ministre commerce et industrie, gouverneur banque centrale, le tabac de détail sous mesure ça qui prend en conseil des ministres. On a le suivi en précision, il a retourné après. Pour l'autre commentaire dans l'Académie spéciale, ça. Josia, accompagné
de ministre finance là, de ministre commerce là, avec gouverneur la banque là, nous venons faire on petit parler avec nous sous une dernière arrêté qui prend en conseil des ministres, à savoir arrêté qui intéresse les transactions commerciales sur tout territoire de la République d'Haïti dans la monnaie nationale noire. Je voulais parler de Goudna. Nous connaissons que normalement loi pays la monnaie nationale là c'est Goudli. On l'autre bagaille encore gouvernement de la République là toute action que li prend dans sens intérêt peuple là. C'est dans ce sens ça après plusieurs mois de travail de réflexion le gouvernement prend décision responsable pour que toute transaction financière qui fait dans la République d'Haïti pour yon fait en goud. Monsieur Zeda, moi pour quelques petits exemples, on moun pral non bal obligé à changer cob pour qu'il y ait un dollar américain pour al non bal. On moun nous besoin non spectacle dollar américain. Ou besoin non série de restaurants dollar américain. Ti classe moyenne là. L'elle gagne pour payer loyer, loyer Kaili. Chaque mois, faut la patte la rue pour joindre dollar américain parce que sans goût de les toucher pour le payer loyer Kaili. On a besoin acheter un terrain. Un terrain oui. Dollar américain. Gagne deux monde même là vendre service avec un mécanicien. En US pour payer. Certains magasins prix ont affiché en dollars. Tandis que grande majorité peuple haïtien revenu yo c'est en goud lié. Tout fonctionnaire l'état nous yo, policier, professeur l'école, tout docteur qui travaille dans santé publique, infirmière, auxiliaire, petit personnel, tout, c'est en goût de toucher. Donc, son façon pour me dire que décision ça que nous prenons, c'est l'aller dans le sens intérêt grande majorité haïtien. Nous connaissons que nous avons un pile parler qui a fait sous ça, mais ça me donne un dit nous, s'il vous plaît, tête frette, posez, gouvernement travaille pour nous. Je ne veux dire, en tant que Premier ministre, article 6 constitution dit comme ça, monnaie nationale, c'est la goutte, c'est goutte que l'y est. Malheureusement, nous avons certaines institutions de la place. Yo affiché prio, je voulais parler de certains restaurants, certains hôtels que affiché prio en dollars. Au niveau du ministère du commerce, rôle avec tout gouvernement, c'est accompagner population dans quête de mieux-être. Nous en service et au service de la population, nous là pour nous protéger intérêt population. C'est ça que fait affichage pour un goût de l'an qui ton sorte de caillou l'an soulier nous, journée jeudi, hein, nous décidons de retirer caillou ça et nous prenons pour appliquer, pour arrêter, pour nous dire que désormais, tout prio sur toute l'étendue du territoire de la République, il faut afficher en goût. Parce que les prix,
li pa affiché en dollar en goud ça créé ou sorte ça relé ou sorte de inflation ou poussé inflationniste que den ça créé ou pression sous goud lan. En ce sens il faut me rappeler nous tout Haïti c'est un rare pays OK côté qui gagne double circulation de monnaie à savoir la goud et le dollar. Au niveau du ministère du commerce, on va tout mettre en œuvre pour que OK appliquer ça arrêter ça appliquer dans son intégralité. Nous gagne brigade que nous allons déployer à travers tout le territoire national pour nous faire respecter mesure ça. C'est en fait pour nous harmoniser nous avec contexte international et ministre commerce explique une modalité d'application pratique là. Nous juste rappeler nous que nous toutes quel que soit nous-mêmes quel que soit petit déplacement faire dans n'importe qui pays, pas grand pays n'aller côté que dollar gagne dans poche loin qu'à utiliser dans la rue. Pas aucun pays. Donc ceci son normalité que n'a rentré là-dedans que ne doit rentrer là-dedans déjà. Et premier ministre bien expliquer que l'un gagne dit exigence de payer en dollars son problème lié son situation d'insécurité parce que nous oblige à chercher dollars dans la rue hein, et son problème parce que d'akadou priant ou vin gagner en inflation naturelle parce que même l'œil affiché priant en dollars l'on pral acheter dollars ou gon différence de change qu'on pral payer sous li et ainsi de suite. Donc l'idée meilleur bagage là c'est que nous gon seule monnaie qui est appliquée mais il demeure certain que soit pas tout besoin dollars ou besoin parce que ces principes là c'est que sous besoin dollars pour parti il doit accessible mais si son transaction a fait sous territoire pas aucune raison pour besoin l'autre monnaie que monnaie qui est en cours sous territoire et que constitution dit son seul monnaie gain. Donc nous seulement pour mesure pour nous rentrer en application constitution dans son intégralité. Et nous tendons plusieurs fois et plusieurs interventions que me fait au nom de Banque Centrale côté que me dit que l'important que les prix en Haïti que c'est en goutte que affiché. Et il y a plusieurs tentatives qui faites et je pense que sont l'autre tentative qui fait encore et je pense que tentative ça puisque qu'on y a la ligue beaucoup plus de force parce que sont arrêtés reliés et que l'important que les prix soient fixés en goutte. La Banque Centrale fait empile et notamment au niveau des cartes, pour dès que le demander que toute carte, que ce soit carte de débit et carte de crédit, que libellé en goud et que me fait au nom de Banque Centrale, côté que me dit que l'important que les prix en Haïti, que c'est en goud que affiché. Et il y a plusieurs tentatives qui faites, et je pense que sont l'autre tentative qui fait encore, et je pense que tentative ça. Puisque qu'on y a la ligue, il y a beaucoup plus de force parce que sont arrêtés reliés et que l'important que les prix soient fixés en goutte. La Banque Centrale fait un pile effort et notamment au niveau des cartes, côté que demander que toute carte, que ce soit carte de débit et carte de crédit, que libellé en goutte et que toute transaction est faite en goutte. La Banque Centrale m'a dit tout que institution financière, que bail crédit à l'individu de chaque client. Chaque jour, bon Dieu mettait pour la chercher un dollar pour le payer en prêt ou bien pour le payer en carte de crédit. Mais cependant, il se trouve que depuis que nous rentrons en principe, depuis que nous rentrons dans taux de change flexible là, il se trouve que la goud pratiquement vient en monnaie de second ordre. Et la monnaie qui est utilisée, c'est le dollar qui est utilisé. Et alors que majorité haïtienne a touché en goutte. Donc, il est fondamental que y ait ramené les pendules à l'heure de façon à ce que tous les prix affichés en goutte. L'autre jour, bon bagage qui arrive, pas même l'autre jour, mercredi, je suis allé au dentiste et puis m'a passé dans le magasin. Je viens dans le magasin et puis le propriétaire du magasin dit que c'est dollar pour me. En fait, c'est son orier m'a acheté. Il dit que c'est dollar pour me. Il dit que c'est en Haïti que mieux.
en fait, il va reconnaître mais comme gouverneur de Banque Centrale, ce qui était une bonne chose. Dit que non, je n'ai pas de dollars, c'est good que je gagne. Et je garde dans le bouche, c'est good que je gagne. Et carte de crédit. Pas dire que carte de crédit, c'est un good que je passe, pas vrai. Il dit 600 gouttes, je dois payer 70 gouttes. Je dis si je dois payer 70 gouttes, il faut faire arrêter. Il m'explique que ça l'a fait pas quoi. À ce moment-là, Livin reconnaît que peut-être que je suis un monde qui n'a quelque autorité. Je dis non, je ne pas contre taux que je voulais, je voulais que taux Banque Centrale. Et à ce moment-là, il m'a dit taux Banque Centrale, et puis je parle taux Banque Centrale. Mais imaginons qui s'est passé. Ça veut dire que non, l'homme n'a fait prix de revient, il y a un temps mettait bénéfice. Et puis là, ils font comme encore sous change. Ok? Il n'a pas fait sens. Et c'est peut-être ça, dans tout pays, il y a une monnaie qui existait et c'est monnaie qui est utilisée. En pile, dans nous là, pour la plupart, la majorité, nous habitués partis. Et l'une partie, nous comptons qui gère que bah, y a passé. Donc, ce que toutes les prix soient affichés en goutte, c'est bon pour tout le monde parce que c'est fondamental que nous connaissons que ça n'a pas payé. Et puis, on peut faire comparaison tout. Je ne sais pas si côté un prix qui est en goutte, un prix qui est en dollars. Même deux bagages qui vendent 10 dollars, pas fait, pas le dire le même prix. Nous, on ne sait pas. Parce que, il y a un qui va dire que c'est 66 gouttes, il y a un qui va dire que c'est 68 gouttes, il y a un qui va dire que c'est 72 gouttes. Comment on va le comparer? Mais tandis que si tout est en goutte, on n'a qu'à comparer. Donc, ça, c'est le premier élément. C'est une bonne chose que les prix soient affichés en goutte. La deuxième chose, il faut dire que et le décret de 1989, okay, c'est un décret qui autorisait que tout le monde gagne, en fait, que banque yo ka ouvri des comptes en dollars ou n'importe qui moun. Donc, ça veut dire que moun a toujours ka gagne compte en dollars. Dans le décret, il bien dit les transactions commerciales. Mais le mal font dépôt sous compte en dollars, moi. Son dépôt relié, c'est pas une transaction commerciale, c'est l'homme par l'acheteur avec le commercial. Non, dès le 1er janvier, moi, dit encore, ok, ça. Ok, circuler là, pas mettre en question. Ça, c'est le premier bagage, je voulais que vous le clair pour tout le monde. Deuxième bagage, pour me dire que la loi sur les bureaux de change, la loi sur les bureaux de change, sur les agents de change, dit clairement que tout le monde qui reçoit un transfert, il est supposé recevoir comme lui, dans la monnaie que vous voulez transférer pour lui. Ça veut dire qui ça? C'est le monde qui a choisi dans qui monnaie que. Il y a payé. Et c'est un décret loi qui dit ça. Ok? Ça me pensait que c'est important pour le clair, pour que nous ne pas mélanger banane avec orange, ok? Pour ne pas faire un amalgame. Je pensais que c'est extrêmement important que nous clarifions tout le bagage. Et puis l'autre bagage que je vais dire, c'est-à-dire que nous avons un pays qui est pratiquement dollarisé presque à 63% pour l'instant. Donc, ça veut dire que il y a tout un série de habitudes qui viennent. Donc, il est clair que cette circulaire, en fait, cet arrêté qui sont arrêtés, qui définit dans qui cadre que le pays a pas évolué en termes de monnaie, en monnaie unique que la Constitution reconnaît, mais il méritait certainement des circulaires d'application. Et je pense que le Premier ministre a dit que a bien des circulaires d'application qui prévoient certainement des délais. Et tout ça, ça qui est supposé arriver. Ensemble, nous avons un bon pays qui est normal, nous avons un bon pays côté que nous capables, nous pas un pays en fait à deux vitesses, côté que et monde fait ça au blé, agent de change. Parce que c'est ça qui a passé là. Ou aller ici, là, ou aller, on fait arriver quand machin ça, il dit que. C'est un dollar pour payer, mais tout au moins c'est temps. Ok? Nous sommes un système de taux flexible. La Banque Centrale n'a pas fixé le taux de change, il faut bien dire ça. Parce que nous sommes dans un taux de change fixe depuis 1990. La Banque Centrale calcule sa marché à bail comme change, et puis il dit que le taux de référence, c'est temps. Ce n'est pas un taux que la Banque Centrale fixe. Il faut être clair pour tout le monde. C'est pour raison ça, son taux qui, en fait, a évolué en fonction de la demande et de l'offre sur le marché.
Voilà, pour précision, Premier ministre Jean-Guy Lafontaine, ministre commerce et industrie Pierre-Marie Dumény, ministre économie et finance Judalis Patrick Salomon, et gouverneur Banque centrale Jean-Badin Dubois. Donc on est ici, vous attendez, et précision autorité. Réaction rapidement. Bon, moi étant en partie de ça dans la radio, moi plus ou moins, et moi pour gagner des et règlement d'application qui sorti sous lui parce que quand même il y a des questions qui pour finir répondre il y a un bon niveau quand même faut nous aller là-dedans pour nous connaître et parce que jusqu'à vous avez des questions à poser toujours mon autre par exemple. Je crois que au-delà de conférence, il faut que sortir et toute question d'application pour que nous connaissions, pour aller avec un délai tout, parce que vous d'accord, ou pas comment dans un restaurant le même jour arrêté à sortir pour prendre le ticket dans l'après-midi, réimprimer un dollar, venir en bouche, convertir tout système de comptabilité. Je crois que au-delà de l'application, il faut que nous ayons un règlement, mais aussi tu as un temps d'ajustement. En temps d'ajustement, permettre que les gens rentrent dans sa capacité là pour que ou pas pral pénaliser ou parce que beaucoup conformer yo, alors que pas de gain assez de temps pour que vous fassiez. Moi, que là, c'est peut-être une petite faiblesse que moi constaté que qui nécessite pour nous corriger, non seulement en termes de temps, mais aussi en termes de règlement d'application pour éviter que des confusions, pour éviter que des questions qui sont en réponse, pour que les gens comprennent dans quel niveau que nous privé, dans quelle distance que nous privé, qui s'acte là-dedans, qui s'acte pas là-dedans, même gens que le gouverneur Banque Centrale l'a précisé que le compte en banque là ou pas là-dedans. Donc, nous croyons que faut qu'on aille plus loin pour l'information circuler, parce que confusion et manque d'information, il y a une anticipation qui n'est pas bon du tout pour l'économie. Alors, il y a un élément fondamental pour ce sujet, la question d'application, justement. Et dans la réalité, il y a une question qui a posé, est-ce que l'État a des moyens politiques pour lui faire appliquer pour quelle décision? Nous, on a une décision qui sort là, et gagné, ça a un comité de suivi qui est là dans le ministère du Commerce, le ministère de l'Économie et de la Finance, BRH, avec Primature, qui a un élément de Primature qui a coordonné. Est-ce que, justement, et par rapport à la décision que déjà, nous songeons, et en mai 2017, déjà, on décide presque pareil qui était prêt et pas ne pas arriver faire respecter décision ça. Est-ce que je vous dis à vous même été optimiste par rapport avec justement l'application? Est-ce que mesure qui peut faire appliquer justement mesure ça a privé et à dire non? Si m'a regardé sous expérience, on pas optimiste, mais en même temps, c'est pas question de moi optimiste ou pas optimiste, c'est un bon temps pour regarder. Est-ce que l'état va démontrer une belle différence? Je dis à. Est-ce que l'État va démontrer que le gagne un moyen pour faire appliquer ça le dit, je veux dire? Mais ce n'est pas deux bagailles, effectivement, dans la société à côté de l'État failli pour qu'il fasse respecter en pile. Maintenant, est-ce que ça a pour occasion pour le démontrer que le gagne plus, une autre image, une autre face, je veux dire, on va voir. Maintenant, en se basant sur les expériences du passé, l'État. Maintenant, c'est ça le défi. Si nous ne sommes pas capables de faire ça, nous prenons pratiquement un bail totalement nul. Et moi, je crois que c'est une occasion en plus qui offre aux autorités pour que vous démontrez si vous êtes sérieux ou si vous n'êtes pas sérieux. Et donc là, nous attendons pour mettre ça à la bail. Et c'est ça que Pral dit justement, l'impact qui est capable de arriver dans le sens que vous allez. Alors, il y a un élément important dans la décision que vous prenez. C'est que bonne participation citoyenne, on appelle à la participation citoyenne qui fait tout, en ce sens que citoyens sont en mesure pour porter plainte contre les institutions d'établissement justement qui exigeaient pour payer et là, et nous évoquer tout, l'article 6 de la Constitution justement qui fait le gouvernement monnaie unique. L'homme des citoyens qu'on a vous l'avez dit là, est-ce que vous allez créer scandale là, on n'a pas à ton côté là, magasin, tel bagaille, mais péter compte. Jouer, bah on est faire photo, vidéo, mettre sur WhatsApp. Bah on est, c'est quand même un bail inédit. On nous suit parce que, encore une fois, j'aime d'être aux États-Unis, non pas pour faire expérience ça. Dans la période contemporaine, quand on sort, c'est une question d'eau là. Nous faisons transition, on transition est très mal faite
avec un dos la capote sous nous là. De fait, malgré que vous avez une question 1989 qui était autorisé mon au faire des comptes en dollars, mais j'ai monté sous nous avec force là, je veux dire, nous pas de problème, pas de penser le cap ça. Maintenant, pour déconstruire ça qui est construit de manière désordonnée, on n'a qui ça capable d'aboutir. Donc, on a fait attendre n'importe qui bagaille, n'importe qui dérapage, n'importe qui panique, qui a rangé, capable de déranger. Mais ça fait moi très prudent dans la question prévision, anticipation, ça qui va arriver dans l'économie. Pendant les voyages sur le secteur privé, c'est le forum économique là, qui font notre sortie, qui dit y a ton, qui d'a dit étonné, nous avons là, là qui croit que tu dois gagner si tu as parlé, dialogue, il fait bien avant la décision. Quand tu as quelques économistes qui parlent dans ce sens, il faut que tu aies les préalables, il faut que tu aies chuté par la carte économique avant et autour. Support et par rapport avec l'idée ça qui va suspendre faire parler de après bon, pourquoi bah, m'a dit c'est que sous suivre bien contexte là d'ailleurs BRH te gagne dans venir avec question facturation des cadres de crédit en bout depuis l'année dernière fin année dernière donc pour moi le gagne son ancien annonceur et moi même j'ai anticipé à ce moment que m'arrivé là et même enregistre une vidéo en septembre 2017. Je dis que je n'ai pas tant de l'autre mesure qu'il a fait. C'est pour nous. Et j'avais aucune information que je n'ai pas arrivé. Le cas du délai, c'est que l'autre. Ah, pas du tout, aucun rapport. Je n'ai pas ni proche ni loin. Ils sont les gens qui ont le pouvoir qui a pris la décision. Maintenant, est-ce que faut une obligation pour avoir une discussion, une consultation ouverte, fermée avec acteurs sur ça? Et je ne connais pas. Je ne connais pas est-ce que mon côté quelque part qui exige ça. Maintenant, pas élégance, il a fait sens pour que je chita avec des gens, mais je ne sais pas quoi ça capable d'un argument qui est totalement solide, dans le sens que l'État a toute l'égalité pour faire des bagailles. Et moi, je crois que de préférence, il faut nous exiger que l'État baille règle d'application, baille mesure, mais aussi peut-être baille un délai pour nous ajuster. Sauf que ça, c'est qu'il va impacter à la fois audit, mon comptabilité et menu, des questions et description des coûts, des prix. Donc, il n'y a pas nécessité pour que nous gardions tout aspect ça, balancer, mais pas qu'à prendre position pour ou contre, dans le sens que faut qu'on t'achète avec nous, et encore, nous pas où j'achète avec nous. Moi, je crois que ça vient rentrer dans une petite polémique, une petite rivalité, même politique. Et que je ne vais pas rentrer là-dedans, mais par élégance, encore une fois, pour une décision si de grande envergure, l'étape fait sens, l'étape fait sens et assez élégant, justement, j'aime dire là, pour que y des gens qui aient au parfum, sans pour autant que je ne connaisse pas ton parfum. Parce que je suis sûr que des gens qui sont au courant quand même. Et je ne sais pas quoi elle t'a dit, mon secret total. Que vous avez une décision aussi importante pour que vous ne battez pas au courant. Bonjour, comme c'est économiste, madame, on est citoyen, citoyen lambda, qui a fait un commentaire. Rendez-vous tout pour afficher un goût, mais ça le perd. Il perd qu'il y a pour prier au bras le bas afficher un goût. Là, il va tenir compte. Il va dépendre de quand j'ai toi et sous ma chère. Pour que prier par une exorbitante goût, il fait que le pack acheté bien service. C'est ça, par exemple, une sorte d'inflation artificielle qui est pas créée. À cause de panique là et puis moun sa li même li anticipé donc il dit mais comme gon y a là ou vle pou ban goud alors que moi l'acheter en dollar même tout axe pour goud ou cap toujours perdre de valeur m'anticipé là tout du continuer perdre de valeur et puis moi font ajustement à la hausse et qui capable de capable d'entrer dans cascade on va effet d'entraînement et dans économie en sous question prix. À court terme, ce n'est pas très possible. Mais ça l'état qu'a fait dans le cas, justement. Si ça fait. Ça l'état qu'a fait. Question. Voilà, ou non, système, c'est génial, côté que, à la fois, sous change, ou non, système flottant, on ne pas qu'à fixer taux de change, on ne pas fixer prix tout. On ne pas fixer prix dans l'économie. Nous non, système, régime, côté que c'est pratiquement jeu marché, jeu acteur of demand, qui pratiquement by format pour y a. Quoi qu'il y a un pile monde toujours mettez des marges. Qui va nécessairement correspondre avec la réalité. Mais encore une fois, l'État va gagner aussi. Non, mais vous dites que ça va être trop comme ça. D'ailleurs, après tout débat et combat qui fait, même pour ajustement scolaire, qui vient ça dépasser. Donc, moi, je crois que. C'était peut-être. Est-ce que vous avez une loi dans ça pour avoir
et vraiment qui ça capable justifier des ajustements des prix qui peut être aller trop vite par rapport à couyo. On pas connaît mais c'est très difficile et de préférence c'est la concurrence qui aide dans prix et non pas bonne foi et non pas l'état avec un bâton. Mais le problème en Haïti, on a dans l'Amérique latine le pays qui gagne moins de compétition dans le secteur économique. Dernier. La plupart des secteurs en Haïti sont concentrés dans des monopoles ou oligopoles. Un monde, ou bien trois mondes, ou bien quatre mondes, ou bien cinq mondes. Donc, il est très difficile pour nous pour que le prix soit accessible. Il est très difficile pour manger là ou aller en petit cas plus bas. Et pour casser là, c'est le consommateur final qui le paie. Très bien. Alors, en termes d'accessibilité, c'est ce que vous aimez, mais vous ne pouvez pas regarder beaucoup d'enseignants qui ont fait les jeunes d'Adia et qui se commercent international là, même qui a acheté produit, qui a vendu pour ici. On regarde tout notre cas et petit marchand, par exemple, nous connaissons récemment, il y a plusieurs marchés publics dans le pays. Qui, d'accord, qui accessibilité, si ma chaîne va gagner avec dollars, qui pas forcément dans la rue, j'en ai payé avant et décision ça que le gouvernement prend. Un dollar toujours là. Un monde qui a besoin d'acheter un dollar, toujours un dollar. Écoute, bon, nous pas gagné assez par rapport à deux maintenant qui fait que le dollar a monté. Alors, ça rapport à monopole que tu as parlé tout à l'heure là, est-ce que vous avez même accessibilité à dollar que l'autre monde qui a fait gros business dans le pays? Non, de pas de monopole là, c'est par rapport à secteur, c'est-à-dire comme si secteur qui a regardé beaucoup d'enseignants qui a fait les jeunes d'Adia et qui se commercent international là, même qui a acheté produit, qui a vendu pour ici. On regarde tout notre cas et petit marchand, par exemple, nous connaissons récemment des plusieurs marchés publics dans le pays. Qui, d'accord, qui accessibilité, si ma chaîne va gagner avec dollars, qui pas forcément dans la rue, j'en ai payé avant et décision ça que le gouvernement prend. Un dollar toujours là. Un monde qui a besoin d'acheter un dollar, toujours un dollar. Écoute, bon, nous pas gagné assez par rapport à deux maintenant qui fait que le dollar a monté. Alors, ça rapport à monopole que tu as parlé tout à l'heure là, est-ce que vous avez bien même accessibilité à dollar que l'autre monde qui a fait gros business dans le pays? Non, de pas de monopole là, c'est par rapport à secteur. C'est-à-dire comme si secteur qui a produit.